Bonjour, aujourd'hui je vous présente le porte-bébé physiologique de Bobard, le Boba 3G. Pour le mettre en place, vous fixez la ceinture sur votre dos. Ensuite, vous installez bébé pour la position ventrale très simplement en le portant devant vous. Et vous mettez les deux bretelles. Bébé a la possibilité de mettre ses bras devant lui ou, comme mini-voyageur, sur les côtés, puisqu'il est assez grand. Ensuite, la fixation arrière se fait très simplement. Pour la position dorsale, vous installez d'abord le porte-bébé. Vous pouvez faire quelques pré-réglages avant d'y mettre votre enfant. Ensuite, vous portez votre bébé, vous lui attrapez la cheville pour passer sa jambe entre votre dos et le porte-bébé. Vous le tenez toujours par un bras. Ensuite, vous penchez légèrement en avant et vous maintenez votre bébé pendant que vous le poussez vers le siège. Là, en tenant l'autre bretelle, bébé est maintenu dans le siège. Et ensuite, vous faites les réglages nécessaires. Donc vous vous accrochez devant, cette sangle coulisse le long des bretelles et ensuite vous positionnez bébé pour que la position physiologique soit le plus respectée possible. C'est assez simple. Là, vous voyez la deuxième tentative que je fais et cela se fait très facilement. Vous avez la possibilité de replier les petites sangles et de les fixer par un élastique, cela permet que ce soit beaucoup plus simple pour tout ranger. Pour sortir bébé, vous le maintenez toujours, et moi je préfère enlever le porte-bébé complètement et le descendre avec. Voilà, à très bientôt sur Voyager Enfant. Au revoir.